Plus d'un jeune sur deux au chômage dans les zones urbaines sensibles contre 25%. Au niveau national, des chiffres qui poussent le gouvernement à créer les emplois à venir, 150 000 contrats subventionnés par l'État pendant 3 ans, exclusivement destinés aux jeunes peu et pas qualifiés dans les zones sensibles. Pôle emploi pilotera le dispositif en lien avec les missions locales qui accompagnent les moins de 25 ans dans leur insertion professionnelle. Ici, à Strasbourg, 8000 jeunes cherchent chaque année de l'aide auprès de conseillers. La mission locale, elle a pour rôle essentiel d'accompagner les jeunes vers une insertion professionnelle durable. Et c'est le mot durable qui est important. Alors l'emploi d'avenir nous intéresse parce que s'il existait déjà ce qu'on appelle des contrats d'accompagnement vers l'emploi, mais qui étaient souvent de courte durée, d'une moyenne environ de 7 mois, là nous sommes vraiment sur une réelle expérience de 3 années. Et là c'est très important pour pouvoir avoir le pied à l'étrier, mais aussi acquérir vraiment l'expérience qui va permettre soit d'engager vraiment une formation ou une insertion professionnelle, soit pouvoir rebondir après. Mais pas facile pour des jeunes souvent déscolarisés et en rupture sociale de pousser seuls les portes des missions locales ou même d'accéder aux offres d'emploi. C'est là qu'interviennent éducateurs spécialisés et associations de quartier. OPI, Organisation Prévention Insertion, s'occupe depuis plus de 50 ans d'actions éducatives et sociales de proximité dans les quartiers sensibles de Strasbourg. Les problèmes démarrent déjà par effectivement une estime de soi qui est vraiment bouleversée, une confiance en soi pas au top, et donc c'est déjà le point de commencer par effectivement un échec scolaire, une précarité aussi et un environnement familial difficile. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient et qu'on commence à décortiquer avec le jeune effectivement pour qu'il puisse déjà identifier quels sont ses problèmes. Et ensuite lui montrer qu'il a des potentiels, il a des qualités et il peut accéder ensuite à ce que vous appelez donc les formations. Nous, on a l'habitude de dire les dispositifs de droit commun. Parmi ces dispositifs, 2 outils locaux. Depuis 2 ans, 180 jeunes ont bénéficié du pass accompagnement du Conseil général pour l'insertion sociale et professionnelle. Et depuis février, les acteurs sociaux du NOOF se sont regroupés pour créer le DACIP, dispositif d'accompagnement personnalisé permettant à 10 jeunes de se réinsérer dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, l'aspiration principale des jeunes, et si on prend la catégorie des jeunes de 16 à 25 ans, c'est qu'ils se projettent dans un emploi pérenne, dans un emploi durable, qui leur permet justement de se construire. Parce qu'aujourd'hui, travailler en intérim ou travailler sous forme de contrat, et surtout avec des périodes, d'inactivité plus ou moins longues, ça ne favorise pas le travail, la réflexion sur un projet de vie. Les emplois d'avenir devraient entrer en vigueur dès le 1er novembre.